que ce soit cela, on a pour ce nouvel épisode sur Dead Space, premier du nom. On se retrouve, on va commencer une partie tout de suite. J'espère que vous allez tous bien, vous êtes chaud pour ce Dead Space sur Dead Space. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai la voix un petit peu cassée, je suis malade, donc ne vous étonnez pas si j'éteins mon micro pour pas que vous m'entendiez tousser. Ce qui est assez dérangeant pendant une vidéo YouTube, d'entendre quelqu'un tousser, mais bref. Un jeu développé par Electronic Arts, Dead Space. On va attendre le chargement. Je vais faire un petit résumé, pas un résumé du jeu, mais plus ou moins des mécaniques de gameplay. Des trucs qu'on peut deviner rien qu'au titre. C'est un jeu survival horror, déconseillé au moins de 18 ans. Où on incarne, ça commence. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Tout est allé de travers. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Petite chose. Combien de fois l'as-tu regardée? Elle doit te manquer. T'inquiète pas, on y est presque. Tu devrais pouvoir la trouver une fois à bord. Vous avez sûrement beaucoup de temps à rattraper. Écoutez-moi, nous y sommes. Synchronisons notre orbite. Tout ça pour un gros morceau de caillou. L'exploitation minière de l'espace rapporte beaucoup, Daniels. Et J7 est une vraie mine d'or et ça intéresse du monde. Cobalt, silicium, osmium... Bon, où est-elle? La voilà. Destination en vue. C'est donc ça, l'Ishimura. Impressionnant. C'est l'USG Ishimura. Plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Où sont les lumières? Le vaisseau est si sombre. Caporal, faites-nous approcher et saluer. Et évitons le champ de débris. Nous venons réparer leur vaisseau, pas faire le ménage. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellion, envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Augmentons le signal s'ils sont à court d'énergie. Oui, je sais. Augmentez-le. Plus. Ces engins ne peuvent pas perdre tous leurs moyens de communication comme ça. Vous croyez qu'avec 1000 personnes à bord, aucune ne peut décrocher ? Qu'est-ce que c'est? Un circuit grillé, comme on le pensait. À l'entendre, on dirait un problème d'encodeur. Allons-y avec Isaac, on pourra réparer. 48 heures au max. Ok, c'est compris. On y va, allons réparer ça. Recherche gravité enclenchée. Atterrissage automatique à venir. Bordel de... Chef, l'autopilote! Qu'est-ce qu'il y a? On dérive, nous allons heurter la coque! Sur les boucliers! Le rayon tracteur et HS, passez en manuel, vite! En plein champ magnétique! Vous êtes malade? Allumez! Non! On peut y arriver! Caporal, ceci est un ordre! Tout le monde va bien? Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous voulez nous tuer ou quoi? Je viens de sauver vos fesses, Daniels. Le pilotage automatique ne tenait plus, on aurait très bien pu s'écraser sur la paroi. Alors on se calme et au travail. Caporal, au rapport. Les propulseurs n'ont plus l'air de répondre, et nous avons perdu l'autopilote et le signal radio. Ça va nous retarder. Ok. Allons trouver de l'aide sur place pour réparer tout ça. Bouge pas, Isaac. Je synchronise toutes les rigues au vaisseau.
Ok, c'est bon. Tout le monde se sent bien à l'aise? Parfait. On a encore du travail. Tous au boulot. Verrouillez ça. Ok. Hop. Puis je vais... Voilà, il y a déjà de l'argent. Et puis ça fait... Encore un peu de kit. Mais on peut pas encore les casser. Et on a... Apparemment, ils étaient pressés de quitter les lieux. La sécurité devrait nous attendre là. Ouais, on dirait pas. Je vois personne ici. Et je ne capte aucune transmission. Cette console de sécurité fonctionne. Isaac, essayez de voir ce que vous pouvez trouver. Kendra, réactivez cet ascenseur. Plus de courant! Impossible! Alors faites-le revenir, bon sang! Bon, si nous coopérons tous, on s'en sortira plus rapidement. Faisons parler cet ordinateur, Isaac. Oui, j'ai compris, c'est pour ça que j'ai compris. Système traceur pour localiser votre objectif. Mais j'ai compris. Merde, ça sent pas bon, ça. Les équipements ont morflé. Le tram ne fonctionne plus, ça va être dur de se déplacer. On dirait que l'air circule à nouveau. Bon début. Qu'est-ce qui se passe, Kevin ? Merde, c'était quoi ça ? La quarantaine automatique a dû être trompée par le retour de la ventilation. Que tout le monde se calme. C'était quoi ? Vous entendez ? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, on n'est pas tout seul ici. Derrière ! Non, c'est déjà c'est la guerre nationale. Il va arrêter de dire des insultes. Mais bon. Là, tout à l'heure, il y a un guideur placé. Attends de tout ici. Directement, hop.
y a des quais à... Voilà, ça sent l'ambiance du jeu. Pour rétablir votre santé. Ah ok, il n'y a pas besoin de... Ici Benson, que tout le monde m'écoute bien. Ils passent par les conduits, ils vont n'importe où dans le vaisseau. Éloignez-vous, regardez. Reculez, reculez. Isaac. Isaac. Je peux pas croire que tu es ici. Isaac. On en a croisé d'autres sur le chemin. Tout va bien? D'autres quoi? C'était quoi ces choses? L'équipage? Baissez d'un ton. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est dangereux. Et la moitié des portes est verrouillée à cause de la quarantaine. On doit rejoindre la passerelle. Mais d'abord, il va falloir qu'on répare le tram. Vous êtes fous, Hammond, vous allez tous nous faire tuer! Si vous faites ce que je dis, vous sortirez d'ici vivant. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Le disque dur est grillé, mais il doit y avoir un double à la maintenance. Il y a aussi une rame bloquée dans le tunnel qui a besoin d'être réparée. Bon sang, tout ce qu'il nous faut est de l'autre côté de cette zone de quarantaine et on ne peut pas y aller d'ici. Nous, non. Mais vous, oui. Isaac, si on rejoint la passerelle, on devrait pouvoir accéder aux fichiers du personnel. Vous réparez le tram et on cherchera Nicole. Ok. Et passe. Ah, désolé, ici. Le kit de soins pour ce que j'ai utilisé accidentellement pendant le dialogue. Donnez-moi des munitions. Il va se réveiller, il va se réveiller. Ici Benson, l'ingénieur du tram. On a peut-être une solution pour les tuer. Voilà, n'essayez pas de viser la tête ou le corps. Il faut les démembrer. Découpez-les comme vous le pouvez. Démembrez-les. Ok, il faut les démembrer. Isaac, attention. Les tirs dans la tête ou le corps ne leur font rien. Visez les membres, découpez-les. Ça devrait marcher. C'est par là. C'était une baleine qui vient de passer là. Ah. De stade. Cette porte n'a pas l'air de fonctionner, Isaac. Sers-toi du module de stase que tu viens de trouver. Non. Non, torche. Non, torche. Torche. Ah.
Les toilettes, le pire endroit des jeux vidéo d'horreur. C'est ici où il y a... Enfin, j'ai rien dit. À observer. C'est son... On va faire une petite sauvegarde ici. Don't believe. C'est believe. Read that not that. Je sais pas. C'était believe, moi je sais pas. Essaye avec ton module de stase, il devrait être utile sur ce mécanisme. C'est quoi ça? Ah là. Un point de force, ça a l'air utile. Le système. Quand l'ordinateur sera reconnecté, tu pourras commander le tram depuis la salle des commandes. Fais-le plus vite. J'entends quelque chose gratter dans le coin. Écoutez, une rame est morte. Je voulais la ramener au dépôt pour réparer, mais c'est impossible vu les dégâts. J'aurais besoin d'un module de stase. Je peux pas virer cette rame de la voie, ça va nous bloquer tout le système. Voilà, tu te lèves plus. Tiens, ça. Je l'ai pas vu. Il est mort, Hop. On va recharger. Ça commence mal là pour moi. Recharger l'enstase, déjà ça. Hop. Au prochain point de sauvegarde, je crois, il est 17 minutes d'épisode. Il y a quelqu'un au-dessus de toi. Quelque chose au-dessus de toi. On va y aller, c'est bon. J'apprends à viser. Rêve.
J'ai contourné les systèmes de sécurité du pont. C'était pas simple, mais la porte de la maintenance est déverrouillée. Le fameux disque dur doit s'y trouver. Et je crois que c'est sur le chemin là-bas, c'est ça? C'est ça, ok, on va faire une sauvegarde. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode. On va sauvegarder sur l'ancien. On va se faire un nouveau, au cas où. On va se laisser ici pour ce premier épisode. Voilà. On va mettre sur pause. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Laissez un pouce bleu si cet épisode vous aura plu. Un rouge si cet épisode vous a pas plu. M'expliquez dans les commentaires pourquoi ça vous a pas plu. Abonnez-vous à la chaîne si pour voir les prochaines vidéos sur la chaîne. Allez, ciao bye. Peace.